Hello Hélène, je reviens vers vous pour les produits terminés. Alors, je filme cette vidéo le 29. Alors, c'est pas une science exacte, hein, les produits terminés. Mais comme je ne sais pas si j'ai Airbnb, quoi, et que j'ai 1 milliard de vidéos à vous tourner, la fille, bah, je m'en occupais. Pas les mecs, hein, mais le compte rendu des 100 jours. Des 100 jours de vidéos, machin, sorties, patins, coup fin. Donc, j'ai 1 milliard de choses à faire. Donc, je préfère avancer. Je mettrai en ligne cette vidéo donc le 30 demain matin. Le 30. Donc voilà, je reviens vers vous parce qu'en plus, oh, j'ai une vie de fifa! Les poubelles, j'ai les poubelles jaunes là, ça, c'est ça, tous les samedis chez moi. Donc je l'ai mis parce que ça. Avec les gens. Alors, donc ça, c'est quelqu'un qui l'a oublié, mais bon, c'était vide. Voilà. Voilà, c'est. Ça sent bon, hein? Men Expert. L'Oréal Men Expert. Ah ouais, ça sent le mec, quoi. J'ai fini un sienne. Sienne, limone, c'est pour les cheveux gras. Cheveux légèrement gras. Moi, c'est plutôt très gras. Quoique depuis quelques mois, j'ai l'impression, est-ce que c'est la vieillesse, hein? Alors, des bougies. Puisque nous, ma fille qui fait les trucs, là. Bougie, ça c'est, je pense que c'est Action. Forest Lake and Pepper, mais il faut comme d'habitude, il faut être dessus pour sentir. Ouais, ça sent bon. Ouais, bon, ben, quand j'aurai le mois prochain. J'en ai acheté 4 hein, pour la fin de. Comme j'ai un peu de sous au mois d'août. Donc j'ai commencé par le violet. Donc la prochaine fois, ça sera le 11 novembre. Hein. Le 11 novembre, je vous ferai une vidéo. Alors, je ne sais pas dans quel état je serai, puisque j'ai pris un boulot d'inventaire, donc je peux finir à 3 h du matin, mais ça sera fait. Ça sera fait. Donc, je pense que j'aurai peut-être le soir du mois d'octobre. Là, vous connaissez ma monomaniaquerie, je termine avec un stylo classique. Et je ne sais pas quel stylo je vais prendre. Alors, j'aime bien me prendre des couleurs un peu différentes. Voilà, j'adore. J'ai toujours aimé ce genre de stylo, mais bon, vu le prix, je préfère acheter un mois d'août. Après, ça traînait dans ma salle de peine depuis des. Ça sent encore, hein, je sais pas, je pense que c'est vu la gueule, c'est du Action. Voilà, ma maman, je vais le jeter et après je mettrai. Voilà, alors celui-là, je pense que je l'ai acheté à Lidl Espagne. Lui, vous sentez, sentez. Amande et olive, ça sentait super bon. J'en ai une grosse que vous verrez la prochaine fois de chez Action. Qui sent quand même un peu le fruit rouge. Je pense que je vais prendre ce genre de bougie. Ce matin, j'étais à Lidl pour acheter des trucs pour Elena. Il y en avait un peu 6 euros, 12 heures. Ça ne me fait pas même pas un week-end. Bon, bref. Donc, ça me fait à peu près un week-end et demi. Les bougies me font à peu près un week-end et demi. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était ma poche. Je vais peut-être jeter parce qu'à un moment, il faut arrêter de consommer. Alors, j'ai fait un vide. Un vide, pas un vide grenier, un vide Kajibi. Je me suis retrouvée du tissu, je me suis retrouvée plein de trucs. J'ai retrouvé des trucs de l'autre que j'ai jeté, que j'ai trié, que j'ai jeté. Quand c'était jetable, c'était jeté, sinon c'était dans un truc à trier. Ça, c'était donc pour vous dire donc, pourquoi je dis ça. Ça, pour dire qu'il faut de temps en temps faire un petit tour. Ça, ben, je vais jeter, je sais pas, ça a la gueule d'être Yves Rocher. C'était ma poche à maquillage. Je me suis pas trop maquillée cet été, j'ai pas trop envie. Sienne, ça c'était la marque EcoPlus à 80. J'appelle ça la marque EcoPlus parce que bon, il n'y a pas de fioritures et c'est 99 centimes. Ouais, c'était gel de bain. Enfin. Bon, ben ça fait la douche et ça fait le taf d'un mois et demi à peu près. Hein. Après, Dupshit, fleur de cerise. Oui, bon, ben écoutez, de toute façon, moi. Fait passer, je crois que c'est le même parce que j'aime pas tout ce qui est lavande. Voilà, lavande, ça me donne de l'as. C'est comme la meuf dans l'amour et dans le pré. Mais moi, je passe pas à la télé. La différence, c'est que je passe pas à la télé. Ça, c'est mis à disposition pour les hommes. Voilà. Et à un moment, je crois, comme c'était un fond, je l'ai mis là dans le sienne, dans le gel de douche. Bon, voilà, histoire de pouvoir jeter parce que ça traînait, c'était pas top. Ça, c'est la gueule d'attraction. Ça sent bon, hein, mais comme je vous dis, il faut mettre tiare, fleur de tiare. Alors, j'ai acheté il y a le mois dernier des brumes de corps à Lidl Espagne. Donc, c'est thé vert et chèvrefeuille que je mets un jour sur deux dans la chambre, si vous voyez ce que je veux dire.
Et je vous les montrerai. Et il y avait Monoï. Là, je dis, tiens, j'ai vu passer. Je suis à la Lidl avec la petite hier. J'ai vu passer. Et en fin de compte, Monoï, j'aime pas trop. Ça faisait trop noix de coco. J'aime pas à part le Bounty, je n'aime pas trop la noix de coco. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai acheté. Donc, l'occasion fait le larron. Après, de Una Eporrita Rodanda et Una Eporrita Triangula. Triangula. Voilà, donc ajouter également. Voilà, j'en commence à me maquiller. Il faut que vraiment je sois un peu plus parodontaxe. Alors j'en ai commencé un qui fait déjà la moitié. Voilà. Bon, ça durera le temps que ça durera. Tant que ça dure jusqu'au 5. Je pense que ça va durer jusqu'au 5. C'est vrai ce que je veux dire. Le médicament de moi. Avec beaucoup de bougies. Hein. Tout ça, c'est à peu près action. À part, je crois que l'olive et l'amande, c'est, je pense, c'est Lidl Espagne. C'est quoi, c'est une tache. Rose blush. Comme je vous dis, il faut être dessus pour sentir. Ça, c'est... Ah, non, mais non, il y a du gel douche qui est tombé dedans. Donc, ça sent un peu belle. Je vais douche. Voilà, bon, je sais pas ce que... Comme je vous dis, c'est plus action qu'autre chose. Et celle-là qui a... elle brûle super bien, hein. En tout cas... faut pas se leurrer, elle brûle bien parce qu'à une époque ça brûlait moins bien que ça. Et ça, c'était moi, ouais, j'aime bien les petites pour faire le taf. Bon, ça dure, je crois que ça dure même pas 10 heures, mais c'est pas grave. Voilà, c'était les produits terminés. Donc, les prochains, c'est le 11 novembre. Alors, je sais pas comment, je sais pas quoi, mais en tout cas, je ferai les produits terminés du 1er octobre. Du 1er octobre, oh là, du 1er octobre au 11 novembre et du 11 novembre au 31 décembre parce que normalement je ne travaille pas le 31 décembre. Voilà, mais normalement je travaille pas. De toute façon, je prendrai peut-être la semaine, travailler la semaine. Bon, vous verrez sur le compte rendu des 100 jours quel job j'ai pris. Voilà, et je ne sais pas si j'en ai parlé, mais en tout cas, d'apaiser un peu les choses par rapport à ce qui se passe. Voilà, et donc voilà, donc j'ai pris un boulot, donc il fait que je vais peut-être travailler la dernière semaine entre Noël et Nouvel An, puisque cette année, Elena est à Noël avec moi, donc entre le 26 et le 30, je travaille 4 jours. Bon, on va s'en sortir, et pendant ces 4 jours-là, je vais être tranquille chez moi, etc., etc. À moins qu'ils ne travaillent pas pendant les vacances, je ne sais pas en tout cas, mais voilà. Donc, en tout cas, je me suis maquillée. Je vous fais de gros bisous, c'était les produits terminés, donc je ne sais plus de quelle période, au 30 septembre. Bisous!